Celle qui remplace la Yamaha SR125. D'ailleurs, vous ne la verrez plus dans le garage. Elle a été vendue, elle est partie. J'ai pu en tirer un billet dessus. La remplaçante Yamaha Ténéré XTZ 660. Voilà. Donc, moto en 48 chevaux, monocylindre, 5 soupapes pour le cylindre, 2 sorties échappement, 3 entrées d'air. Après je sais pas trop, je viens de faire juste 150 bornes avec, donc je vous en dirai un peu plus par la suite. En tout cas, il y a des choses que je vais changer sur la moto et que j'ai déjà commencé à changer. C'est juste du consommable, hein, des choses qui sont usées, hein. Donc déjà il y a les poignées de frein que j'ai déjà commencer à changer. Ce qu'il y avait dessus, c'était ceux d'origine, ils étaient lisses, usés, il n'y avait plus de cran. Donc ça, déjà deux nouvelles poignées, une paire de poignées, jantes qui vont être peintes aussi, jantes noires rayon qui va rappeler la couleur du mot Ténéré, violet et bleu cyan ou vert. Voilà, je vais repeindre avant arrière, soufflé de fourche. J'ai changé aussi parce que là ça fait dégueulasse, ça fait vraiment vieux, je vais les changer, je vais les mettre en noir. En noir ça fera un peu plus propre. Plaquette et le disque arrière, je pense les changer parce que le disque, il y a des crans, comme tu peux voir, il y a à manger, on sent qu'il y a une vague dessus. Donc le disque, lui, n'est plus très très jeune. J'ai un avantage, c'est que le pneu avant, il est de 2019. Voilà. Par contre, j'ai un inconvénient, c'est que le pneu arrière, lui, il est de 2001. La moto est de 92. Donc le pneu arrière il a été changé une seule fois. Je vais remettre exactement le même. Donc c'est un 180. C'est un 130 par 80 et 17 pouces, donc c'est un Michelin Sirac. Je vais remettre exactement le même, un Michelin Sirac, comme ça j'aurai exactement les deux mêmes pneus avant et arrière. Celui-là il y a un plat, mais quand je vous dis il y a un plat, c'est qu'il y a un plat monstre. Ici il y a un beau plat sur toute la bande de roulement. Le pneu est carré. Ensuite, vu qu'il est 2001, à mon avis, il doit aussi avoir un plat quelque part sur un côté même si c'est rond, ça n'a pas de côté, mais il doit, on va dire, sur quelque part du diamètre de la roue, il doit avoir un plat. Voilà, je vais le changer par un Sirac, exactement le même, hein, donc 130 80 par 17, en Michelin Sirac, en plus récent bien sûr. Devant c'est pareil, hein, c'est un Michelin Sirac aussi. Je lui ai déjà fait la petite vidange de la moto, ce qui en témoigne toute la sueur là-bas. Alors, particularité, c'est que la moto, le niveau de vidange se fait ici. Donc, on sonde là, c'est comme exactement comme sur une voiture. Hein. On sonde ici pour la vidange, et voilà. Et après, bah, tu vidanges le moteur par le bas. Donc, il n'y a aucun point, il n'y a aucun bouchon de remplissage ici pour éviter justement que de l'eau s'infiltre dans le moteur, comme c'est un trail, donc c'est censé passer dans des chemins d'eau, des cours d'eau, tout ça. Donc faut mieux pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le moteur, c'est pour ça que le bouchon de vidange est là. Donc avec la moto je peux être immergé jusque ici,
Voilà, jusque ici je peux être immergé. J'ai nettoyé le filtre à air, il y avait pas mal de merde dedans, surtout des insectes et des feuilles. Donc il faut être immergé, je peux être immergé jusqu'ici. L'entrée d'air elle est juste là sous la selle, donc je peux être immergé jusque-là. Ce qui me laisse quand même un bon 90 cm pour rouler dans l'eau, dans les rivières, sachant que je ne veux pas rouler dans les rivières, hein. Du moins pas tout de suite. Peut-être dans un futur proche, même lointain. Donc la moto, c'est avec celle-là que je vais faire que je vais faire tout mon permis A2 pendant 2 ans, si d'ici là je trouve pas mieux, en espérant que j'ai pas envie de changer d'ici là. Je l'ai acheté exprès parce que c'est une moto qui va finir par coter, hein, comme c'est une Ténéré. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires sur ce modèle-ci parce que c'est un XTZ 660. Si on en croit la plaque ici constructeur, hein, celle qui est usée, là il y a des numéros. Là. Alors, si on en croit la plaque constructeur, cette moto serait la 3300 et quelques produite. Voilà. Donc, je sais qu'il y a déjà 3300 motos. Avant celle-là qu'ils ont été produites. Donc moto là, elle a été fabriquée en 91, immatriculée en 92, et l'année de production pour ces modèles-là, ça a duré soit 1 an, soit 5 ans. Voilà. Parce qu'après il y a eu d'autres versions, il y a eu XTZ, après il y a eu XT Ténéré Z, moi c'est XTZ Ténéré 660. Après, elle existe en modèle 600, qui est recommandé pour le permis A2. Moi, j'ai le modèle 600, 660, qui est normalement conduisible avec le permis A. Voilà. Mais mon assurance me l'assure, comme elle est sous l'ancienne réforme bridée 34 chevaux, mon assurance me l'assure. Voilà. Donc, moi, je roulerai avec celle-ci en permis A2. Donc, la moto est restée quand même pas mal d'origine depuis 28 ans. Voilà. 28 ans que la moto existe, elle est quand même restée pas mal d'origine. Elle n'a pas fait beaucoup de chemin parce qu'elle est quand même assez propre niveau carrosserie. La selle, c'est pareil, elle n'est pas craquée, elle n'est pas défoncée. Elle est relativement propre pour un trail. Pour moi, cette moto, elle a fait que de la route, voilà. Bon, moi je vais faire beaucoup de route aussi, et aussi un peu de chemin de terre, mais c'est tout, quoi. Après, peut-être que par la suite, je partirai en voyage avec. Mais, entre autres, cette moto-là, elle a fait quasiment que de la route. Donc, moto qui a 42 000 km, voilà. Donc, j'ai déjà fait. Alors là, le compteur, depuis que j'ai mis le plein, j'ai fait 180 km. Mais je suis déjà à 200 km avec la moto. J'ai fait 30 km pour revenir avec la moto de chez son ancien acheteur. Voilà. Donc, je suis déjà cassé la gueule une fois dans le garage. Je l'ai débéquillé. Bah, j'étais en train de faire le niveau d'huile. Je l'ai débéquillé. Puis, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai rebéquillé. J'ai voulu la reposer. Et je me suis pas rappelé. Enfin, je me suis rappelé trop tard que j'avais retiré la béquille. Donc, je me suis cassé la gueule dans le garage. Heureusement, je lui ai pas fait plus de dégâts qu'elle avait déjà. Alors, il y a le levier de sélecteur de vitesse qui est. Enfin, de vitesse d'embrayage qui est plié. Ça, il y était déjà quand je l'ai acheté, ça je le savais. Mais ce que je n'avais pas vu, c'était que par exemple, ces coques-là, ce carénage-là, il est fendu. Il est fendu là aussi. Est-ce que vous voyez? Il est fendu là et il est fendu là en bas. Voilà. Moi, je ne lui ai pas fait plus de dégâts que ça. Donc c'est bien. Je pense avoir pété déjà les clignotants, vu comment ils sont bien exposés. Hein. Comment ils sont bien exposés. Je pensais déjà les avoir pétés. J'ai remis du coup le top case que je possédais, hein, de l'ASR. Hein, toujours pratique pour pouvoir mettre deux casques dedans et puis aussi des trucs de pluie. Alors moi quand j'ai essayé, elle avait un accrapaud Wish. Là ils m'ont remis le pot d'origine, c'est pas plus mal, sachant que ça se retrouve même pas. Je fais depuis une semaine les annonces sur le bon coin, j'ai du mal à trouver des pièces pour la moto.
du moins je cherche les crash bars, justement pour éviter que je me recasse la gueule, je cherche des crash bars avant et aussi de la bagagerie pour pouvoir mettre à l'arrière. Donc je suis rendu aussi un magasin de moto parce que ici, comme vous voyez là, il y a deux points de soudure. Et ici, normalement, il y a une plaque pare-feu, comme ça, qui est ici. Problème, c'est que elle n'y est plus. Et quand le passager, il est à l'arrière, et ben, l'échappement, il est à ça de sa jambe. Donc je peux te dire que ça chauffe. Du coup, ce que j'ai refait, c'est que j'ai plié le calepin arrière, je l'ai remis presque droit, lui aussi il était plié, il arrivait ici, donc il était franchement proche du pot, et puis le calepin il n'était pas droit avec celui-ci, il était complètement, en fait il se mettait comme ça, il était comme ça, mais avant que je replie ça. Donc là je l'ai bien replié, du coup ça me laisse ça à l'échappement, mais il faut quand même que je mette une plaque pare-feu qui alors. Pour dire qu'au moins que ça ne chauffe beaucoup moins. Voilà. Donc elle n'est pas trop bruyante, tout ce qui est très bien. Franchement, c'est ce que je voulais, pas trop bruyant. Voilà comment elle est chaude de me permettre. Mais voilà un peu si je monte dans les tours. Comme je viens de voir, il y a un petit peu de fumée noire qui sort. Je ne sais pas si c'est le traitement que j'ai mis dans les tentes pour détracer et décalaminer les soupapes. Mais il y a un peu de fumée noire qui sort de l'échappement, mais c'est vraiment léger, hein. C'est minime, mais il faut vraiment voir. Ah, c'est vraiment, vraiment léger. Bon, donc vous aurez compris, j'ai déjà testé la moto sur 200 km. Il y a des motos, ils font 150 km avec un plein. Je suis déjà à 190 km avec le plein. J'essaye d'aller jusqu'à la réserve pour savoir exactement combien d'autonomie je peux avoir avec le plein qui est quand même 20 litres, dont 3 litres et demi de réserve. J'espère au moins faire du 400 bornes. Au moins. Ça voudrait dire que je consomme à peu près pareil que l'ancienne 125. Donc, ça serait pas mal. Même si je sais que je vais consommer un peu plus, vu que d'un 125 passer à un 660, ça va être pas mal. Alors, niveau sensation de conduite, ben, bon, une moto, tout ce qui a deux roues, ça reste à deux roues. C'est un grand pareil, à part que c'est plus lourd. 190 kg, tout liquide retiré. Donc, je ne sais pas avec le plein, tout ça. Donc, j'ai à peu près 200, 210, 220 kilos avec le plein, je suppose. Mais voilà, c'est une moto que j'ai déjà en main au bout de 200 bornes. Donc, il m'en reste plus que maintenant à voir si la moto elle lève et pouvoir faire des balades comme j'ai fait avec la Yamaha SR. Voilà. Donc. Voilà, le nouveau projet sur la chaîne, nouvelle bécane, et on se revoit à très bientôt. Allez, merci. Okay.